Non, pas du tout. Ok. Ok, Yoshi. Attends, vas-y, je te mets ton son. Ah, moi j'étais en mode. Ok, non, c'est la FN16 non, en fait. Je pense pas. Ça, c'est une cash-cup du coup. Tout le monde lance et ils ont 2 heures pour faire le maximum de points et se qualifier. La seule différence avec les games précédentes, c'est qu'ils ont finalement nerf le nombre de points par kill. Donc ils ont divisé par 2, ça s'est passé de 4 à 2, les amis. Donc ce sera un peu moins logiquement, un peu moins aggro. C'est-à-dire que les points de top valent beaucoup plus que les points de kill cette fois. Et donc logiquement, les gens devraient. Enfin, on devrait avoir des games un peu plus de qualité que juste tout le monde qui sorte. Enfin, qui saute sur tout le monde en fait, simplement. Donc, parce que c'était un petit peu. Voilà quoi. Du coup, on le rappelle, 2 heures seulement pour faire partie des 200 meilleurs duos. Sinon. Oh, j'ai vu il y a longtemps. Bah, tu passes pas. Voilà. Et tu joues plus. Donc, on va essayer de se qualifier, hein. Sinon, ça va faire comme lundi et on va se retrouver au chômage. Ils vont se qualifier. Oh, oh, oh. Lui. Macarena. Lui en tout cas, il est motivé pour se qualifier. Il a le retour en plus, c'est débile. Ouais. Yoshi, tu as mal d'hier. Ouais, j'ai encore un petit peu mal à la main, mais ça va. Rien de bien méchant. Juste ouais, un petit, voilà quoi. Alors, du coup, il y a ma gueule, les mixeurs aussi qui ont lancé leur stream. De toute façon, ouais, je l'ai récupéré. Et Marcotte qui sont déjà en game. Non, non. Alors j'étais pas au courant, mais Marcotte n'est plus chez MCES. Vas-y, avec des bots, avec des bots. J'ai vu un tweet passer tout à l'heure. Là, j'ai mal au ventre. Ah, il du coup, lui et Orc ne sont plus chez MCES. Non, je vais arrêter de temps. Comme Bouga aussi. Excusez-moi. Qui est plus chez. Je sais plus le nom où ils étaient, mais c'est pareil, il a changé de structure aussi. Là, t'as vraiment acheté le skin game. Ah, c'est avant les FNCS, les vrais FNCS de ce week-end quoi. Donc peut-être avoir des mouvements de joueurs et petits changements. Comme Stompid et tout ça, tu vois. Autant Stompid a été de suite annoncé. Marcotte, il mérite clairement une structure sans aucun problème. Pourquoi ça parle de Sentinel ? Du coup, j'ai pas d'infos. Non, c'est pour leur faire plaisir. Bouga, c'est pour ça Sentinel ? Non. Bouga, il était chez Sentinel. Ouais. Voilà, c'est ça. Il était chez Sentinel et du coup, il est plus. Ah, ok, d'accord. Mais par contre, on sait pas où est-ce qu'il est. Ah, c'est vrai, mais en tout cas, il est plus chez là-bas. Ce qui est vraiment la grosse news de la journée. Dire. C'est l'info people du jour, quoi. C'est, voilà, c'est ça, c'est les petits trucs craquiteux. En vrai, si, c'est cool à savoir. Non, c'est Bouga, c'est le champion du monde, donc. J'ai un lance-roquet, mais voilà. Putain, on n'est pas allé assez vite à le contacter, quoi. Solari Bouga, putain, je pense qu'il doit coûter cher, ou le Bastio. Hein. Oh yo, oui. Je pense qu'il peut racheter la boîte, hein, donc. Pas sûr. Ah, quoi, avec son cash prize. Il doit être pas mal. Allez, un petit Marcotte. Allez-y, like pour la première game. On sait qu'ils aiment bien aller là pour leur game un petit peu rush. Enfin, pas rush, push plutôt. On le rappelle, c'est tout le monde peut participer du moment que vous êtes en champion. Je crois que peut-être là, chaque cash cup, il y a peut-être moins que soit réhabilité, mais je suis pas sûr. Hein. Pareil pour Magal et MXR à gauche. On les voit, eux, c'est Slurpee. Histoire d'aller faire un maximum de kills, donc on veut vite avoir du shield et commencer à push tout le monde. On rappelle encore une fois, c'est seulement 2 heures pour se qualifier. Donc ça va très vite à 2 heures, on l'a vu à lundi que c'est très surprenant. Et surtout c'est la première game, tu peux te qualifier. On l'a vu aussi. Enfin, ça apporte énormément d'avantages, c'est hallucinant. Les mecs qui font des top 1 à 20 kills, bah, ça te met très très bien. Bon là les kills ont été nerfs un peu sur les points. Mais ça permet de te mettre très très bien. Cette première game est vraiment importante. Du coup, s'ils vont pas au yacht, justement, c'est pour ça, c'est parce qu'ils ont envie de vite faire Slurpee et de push directement des gens. Parce que Slurpee, t'as très vite du shield, donc. Et t'as potentiellement de très rapides rotations sur des adversaires. C'est en deux manches, non, non. Enfin, oui, pardon. C'est en deux manches. La qualification, il faut être top 200 dans ces 2 heures ou 6 games. Enfin, vous avez 6 games. En maximum 2 heures pour être dans le top 200 pour passer à la finale qui se joue une heure après. Mais pareil, c'est pas un lobby, c'est le même système, juste après vous avez 10 games et 3 heures. N'hésite pas à nous mettre ma gueule là, il est déjà en train de se battre. Oula, c'est très bas le son là, non ? Vas-y, c'est quoi ces mecs ? Non, je sais pas, j'entendais rien du coup, c'est pour ça. Allez, du coup, c'est en train de se battre, on peut le voir. De toute façon, ils le font comme d'habitude. Ma gueule et MXR, ils ont l'habitude de faire ça. Chiant, gros. Sauf qu'un adversaire qui craque vraiment beaucoup de métal et c'est dur évidemment d'aller push. Pareil pour un petit. Et Marcotte, Marcotte qui a réussi à prendre le premier kill. Oh ! Double tête plus 33. Nice. Ma gueule, par contre, qui a pris pas mal de dégâts aussi.
Putain, il va rentrer dans le bat pour ce shield. On essaie de casser au-dessus pour avoir un petit peu d'infos. Oh, c'est blanc. C'est mon wall, c'est mon wall. Ma gueule, non, il est sensible de se faire one aussi. Hein. Là, peut-être là-dessus. Ah, voilà, justement, il se fait KO. Est-ce que le mixer peut-être y arriver? C'est bon. Le mixer qui a réussi à clutch. Après, il avait pas trop de vie à notre ami à ma gueule, donc il pouvait pas faire grand chose de plus. Et c'est les deux premiers kills, du coup 4 points. On rappelle la top 75, évidemment, on récupère des points, etc. Je crois qu'il y a plus de trucs, hein, il y a plus de hello. Barre, attention, on a barré ton herbe. C'est 2 points de kill, les amis. C'est pour ça qu'ils ont eu que 4 points, toujours les deux. C'est mini. Et pour. Et Marcotte, c'est pas le top 75, du coup, c'est le top 40. Donc tu commences à gagner un point. J'arrive, je prends l'autre. Donc, je mélange avec le solo, pardon. Ah bah voilà, c'est, merci de l'avoir montré. Donc top 42 points, top 32 points. Après, c'est tous les top 10, top 5. Et après, à partir du top 10, c'est tous les tops donnent beaucoup de points. Oh, on ne dirait pas, mais en fait, à partir du top 10. Mais vu que le système de kill a été réduit, ça va très vite. Hein. Avant, le système de kill était vraiment abusé, c'était avec 4 points. Ouais. Du coup, là, t'as à peu près kill. Ah, mais là, c'est vraiment, faut dire que là, les tops sont vraiment importants. Hein. On doit avoir des games un chaque peu plus. Chaque place, c'est 2 points plus évidemment le kill à chaque fois, donc voilà, l'objectif c'est vraiment d'aller au moins top 10 et puis ensuite bah, d'essayer de ramasser le maximum. Je pense que là le format est vraiment vraiment intéressant. Du coup il va falloir sûrement jouer avec la Storm Surge, etc. Bon, pas la première game bien sûr. Parce que c'est un peu le tri la première game, on le sait bien. Ouais, 41 points si tu top 1, donc c'est pas mal clairement. Et c'est le top 200 encore une fois, qui se qualifie les amis. Non, j'ai lâché ma PM. Je peux poser un poisson. Si t'en as qu'un, attention à les adversaires. On a pas des blancs. Attends, je peux à l'autre côté du îlot, ouais, attention. On a 200 points de vie en soi, donc on pourrait même aller se battre sans trop de problèmes. Hein, donc. Oh, je vais prendre les toilettes et j'arrive derrière eux. Vas-y, vas-y. 23. J'arrive. Allez, on prend le TP pour un chi. Occupe-les. Du coup, il est derrière eux maintenant. C'est un petit peu la prise du sandwich. Oh, je suis pas sûr que les adversaires l'avaient vu. Et du coup, ils étaient obligés de pas très très vite. Par contre, ils nous ont laissé un tout seul. Oh, la double tête body avec cet AK légendaire qui fait très mal. Et du coup, on va récupérer un kill là-dessus. Donc là, son pote, il a clairement laissé tout seul. Il a pris le pad, il a dit allez, mon pote. Bon, bye. Prends pad au-dessus de moi. On va essayer peut-être de l'all-in aussi, je pense, le deuxième joueur. C'est possible, on prend le pad pour un petit, pour Marcotte aussi. Il monte à la maison ou il est parti à gauche? Non, il monte à la maison, il monte à la maison. Je demande un cas. Attention, l'adversaire qui a quand même la hauteur pour l'instant. Oh, ça fait des 90 en balles là. Oh, peut-être. Oh, il y avait une petite occasion, mais ça ne touchera pas pour un petit. Il a même pas tiré, pardon. On essaie de le faire tomber, c'est bon, ça fonctionne. Du coup, Hunter à la hauteur, ça touche, ça broque le shield, c'est pas mal. C'est tout blanc tout ça. Allez, encore une petite balle et ça suffira. Voilà, pour un petit, c'est bien. Mec, il nous backstab derrière. Deux fois 30. Là, on a ici Magal et EMXR qui sont en train de se battre vers la plateforme. C'est pas loin de leur spawn dans la rivalité. Pour l'instant, il y a Dassar qui est dans l'eau. Je le vois pas en fait. Tiens-moi sur moi, je le vois, vas-y, le full. Si on arrive à prendre peut-être le mur et le sol. Les box. Ma gueule, la cam pris un sacré laser par contre. C'est dommage que les deux joueurs se font un petit peu gratter des deux côtés. Oh, le bon timing de l'adversaire là. Le problème c'est qu'on a plus de heal. J'ai voulu pioche, il m'a mis un timing. Pendant un moment j'ai cru que t'avais la puissance. J'avais oublié ce truc là, tu sais. On aurait jamais dû les pioches. Bah, y'a tellement d'armes qu'il y a plus en fait. Eh bah, y'a beaucoup d'objets qui ne sont plus là. Mais heureusement, j'ai envie de dire. C'était trop bien en vrai. Enfin, j'aimais bien. Y'a l'arc et tout là-bas. C'était particulier. Ça change le gameplay, c'est sûr. Là par contre, il a que 18 points de vie et ils sont dans la zone. Il va falloir vite récupérer ses kills. Hein. Ah, il va se protéger pour l'instant, il a petit point de vie. Dans 8 secondes, il est mort. Ah, ça va être terrible. Il va mourir de la zone malheureusement. Bon, même pas, il s'est fait laser juste avant. Le mixer du coup qui se retrouve tout seul. Malheureusement, ce sera un top 34. Oh, c'est un bot. Ils ont fini leur première game à 6 points, les amis. Dans zone, quoi que, il va dans la zone, qu'est-ce qu'il fait ce manche-creux? Un petit Marco pour l'instant à 14 points. Ils sont bien partis. En tout de moi, il m'a. Ils sont un petit là qui perd un petit peu de shield quand même. Des bots, attends, je vais mini. 35 shield, 35 shield encore. Et solo, son mate était très loin. On va essayer de se remettre full vie, ce serait pas mal. Même la grosse pote, je pense qu'il aurait peut-être dû prendre un petit instant pour la boire. Marco, un petit qui spam des deux côtés, on essaie peut-être de retake, on n'y arrive pas pour l'instant, c'est bon, le chapeau c'est fait.
Il était déjà KO, on va l'analyser pour avoir l'info sur son sur son photo en fait tout simplement. On a sur le kill, un pompe Bouga qui va être récupéré par, par Marcotte. On a un très gros stuff de la part des deux joueurs là, Marcotte et Anchi. Ouais mais il est loin, il était genre derrière nous là. Ah il est là, il est là. Je suis d'avancer, on l'a trouvé. Faut monter sur la colline. Je pense qu'on va surtout aller se positionner pour l'instant, et on a déjà ma gueule et Mixer qui sont déjà en train de se battre. Ah non c'est le loup, pardon, j'ai peur. Je me suis dit quoi déjà? Ouais ouais. Ça va être un peu rapide quand même. Merci beaucoup Fredou du 49. Ouais il est là en dessous de moi. Pour ton récepte de 8 mois, merci beaucoup. Ah il a glissé tout en bas. Ah pardon. Je pensais l'avoir modifié le titre mais en fait non. Peut-être on va tenter une balle de barrette. On a l'avantage, on le sait. Il a une grosse pote. Ah oh, il s'est enfermé là, il va se faire all-in je pense. Oh, attention au chill là. Oh, j'ai plus cher de la chute. Oh, il a perdu un peu de dégâts de chute, il aurait pu même être KO. Ouais. Mange le poisson en KO. C'est un peu risqué tout ça là. Back chill. Oh, belle balle de space. Il va se faire capter au moins 140 il me semble. Et Marcotte qui assure le kill. On est en train de bien frag là pour un chill et Marcotte dans cette première game, c'est bien. Il reste encore 41 joueurs en vie, on est à 18 points. On marque des points dans cette première game, c'est cool. Merde, pas ça. Bah fais pas comme depuis quand là. Y'a des mecs en face. Bah pourquoi ils sont encore dans le lobby Je crois qu'ils ont perdu une game, apparemment ils mixent ça à crash. Attends mais du coup il a pas... Bah je sais pas. Il a pas joué Je sais pas. Il aurait pu au moins essayer d'aller faire des kills ou je sais pas. Je sais pas, hein, j'étais en train de changer un truc. Mais pourtant je les ai vus à une game sur 6. C'est pas trop loin en vrai. Je sais pas trop. Oh fuck is this. On se fasse pas baiser par des mecs. Qui nous hold. Ok Marcotte, en pleine rotation. On a double barrette. Je crois que c'est genre le... la zone pour l'instant. Tant que le bus est pas parti, il y a des adversaires. Tant que le bus est pas parti. Non, non, ça compte de toute façon, tu rentres dedans quoi. Ah oui, même si dans le lobby. Si, si. Non, ça compte, hein. Enfin, je sais pas. J'espère pas, mais bon. Apparemment, la balle de barrette pour un T-Boy. Sorti, 3, 2, 1. Ah, ça touchera pas, c'est bon. On a réussi quand même à Brock le shield, mais on a pas réussi à KO. Sur l'adversaire, Kane Scar aussi, on l'entend. Oh peut-être la balle de droite. Oh non, crack en ça haut. Touchera pas, c'est dommage. Trop cher. Ouais, par contre là qui touche pas mal, hein, on l'entend qui craque tout le monde. 2x41 c'est bien, ça double balle. Un des adversaires qui a à peine 10 points de vue, on l'entend ça se heal à coup de canon à bandage. Mais cette balle de space qui va faire le travail et le doubler encore une fois pour un tir. Et Marcotte qui sont chauds dans cette première game. J'ai la calée légendaire, elle fait trop mal. Yes. Pas récup de recade par contre. Ouais. Y'a un mec derrière nous. 38 joueurs encore en vie, on est à 8 kills. 25 fois déjà, peut-être la balle de droite. T'inquiète, mini-toi. On se fait un peu push par une autre équipe pour l'instant. Je monte et je me dis. C'est son mec on empêche la sorte de grimper, c'est pas mal tout ça. Il a la top 10. Peut-être là-dessus, ça broke pas le shield encore, ça suffira pas. Marco, t'as pas bien tué de vie quand même. Chi pour l'instant, encore là au terme. Il faut pas oublier qu'il y a d'autres joueurs quand même pour pas oublier de se protéger surtout. Ici là, t'es prêt? Peut-être un coup de double roquette. 115. Et ça touche, ça broke le shield, la coup de double roquette. On sait que l'adversaire est très low maintenant. En dessous, il monte. Mais non, il y a un autre adversaire qui rentre de l'autre côté. Mais il est chaud, il met des sacrés balles. 95 là en reflex shot, c'est pas mal. Marcotte qui arrive en KO, un des deux. Oh non, il vient vers toi. Non, il monte sur moi. Donc on essaie de trouver le deuxième maintenant. Moi, là. Il y a peut-être même une autre team qui peut arriver aussi. Hein. 26 blancs. Oh, il y a d'autres mecs qui montent derrière. Et voilà, ah, une autre team qui vient pour backstab. Mais un ticket contrôle, c'est bien. Il y a deux mecs en pour l'instant, Marcotte qui a réussi à prendre un kill. Là-dessus, peut-être. Oui, ça broque le shield, c'est pas mal pour un T. Il est où? Il reload. On se requête. Il y en a ici. 34 joueurs encore en vie dans cette game. On est déjà à 10 kills pour ce duo. Les pips sont pas vraiment dépendants de nous en fait. On a un système automatique et malheureusement, je l'ai pas lancé avant qu'on lance une game. Du coup, ça pop là pendant la game. Mais ça sera réglé pour les prochaines du coup. Il y en a un qui est mort. On a une info sur la mettre. Oh, ça décide de pad, mais ça va mourir ça. Allez, Hachi, t'es chaud aujourd'hui, deux balles, non, ça broke shield, et encore une balle, et voilà! Il y a un kill de plus récupéré pour un tir, Marcotte, ils sont chauds là, dans cette première game. Là. Ça enchaîne bien, il y a même la Thompson, je vois ça! Et pendant ce temps, Magal et MXR qu'on fait un early spawn à Misty. Comment ça se fait de ouf là? Ils sont en train de se battre pour l'instant, on entend. Mais pas de kill pour l'instant pour eux. Il y a des mecs en bas de moi. Ça touchera pas, malheureusement, attention, on n'a pas de shield là quand même, donc on peut vite se faire one shot. Mort! Et Mixer qui arrive à récupérer un kill. A-t-il lui? On est à 16 points pour l'instant pour Maguel et Mixer. Faut les jouer à deux là. Ah, ils sont low. Le problème c'est que Maguel encore une fois il a pas de shield. Toi t'es comme ça, gros. T'es grave low. Marcotte et Anti là qui sont encore en train de se battre et malheureusement Marcotte là qui vient de tomber.
Après on a Frenzy, si on récupère la carte, on peut toujours tenter un res. On sait que le camion est juste à côté. Pour info, c'est pas nous qui gérons les pubs, hein, je vous rappelle. Hein. S'il y a une pub que lancée, il peut en avoir 3, une d'affilée, ça dépend des gens, ça dépend de tout ça. Prends la carte peut-être et viens, je sais pas. Après, il rentre full shot là. Dans notre quête, il aura. Ah, il a pas bien summon encore, j'attendais un peu parce qu'il y a pas beaucoup. Enfin, il y a 4000 personnes, tu vois, donc je laissais un peu les gens profiter. Du coup, bah, il y a la pub qui est top aléatoirement au premier lieu quoi. Aïe aïe aïe. Ah, tu l'as qui touche bien avec la Thompson. Il peut bait peut-être d'essayer de récupérer la carte, c'est bon, c'est fait. Je tente d'aller 13. Hein. Et on le voit, le bus, il est pas très loin. Hein. Par contre, il a pas de pad, il peut pas vraiment jeter, mais je vois qu'il décide d'y aller pour l'instant. Ça disengage, mais après on a un space. On a la Thompson, si le reste passe, c'est clairement pas fini. Gros spot là-dedans. Juste des balles pour l'instant. Pas trop ce qu'on a besoin évidemment. Le gars il touche, descend. Niveau farm c'est compliqué évidemment. Le Bouga qui va être récupéré pour ma gueule et MXR. Du build et tout. Attends, ils sont passés de 0 kill à 5. Oh, il y a un auto bleu. Ouais, j'ai pas vu de. Je crois que c'est MXR qui a fait beaucoup de kills en vrai. Vas-y, hein, il est solo, j'ai 42 matchs. Il en a 2 ma gueule et du coup il en a 3 MXR. Go monter. C'est les fameuses premières. Il y a d'avoir encore des gens. Et là, du coup, on a de la vie, on a de l'armure. Oh, attention, au moment où je dis ça, ma gueule qui prend un bon laser, la bonne balle de pompe par contre, c'est pas mal. Ça se fight encore. MXR qui arrive à valider ce kill, les amis. Et du coup, on est à 24 points. Ce fight, il faut des backstab. Hein. Ils vont peut-être venir nous rush. Pas trop de maths non plus, quoi. On tente la balle de barrette, mais ça ne touchera pas. Évidemment, le chat qui dit c'est chiant les pubs, nu. S'il n'y avait pas les pubs, ça pourrait être un peu compliqué, donc c'est ce qui nous fait gagner de l'argent aussi. Donc, alors après, on a juste oublié de les relancer au début. Ça, ça n'est pas censé arriver en pleine game. Hein, donc, c'est pas, voilà, c'est pas voulu c'est de vous mettre des pubs en pleine game en mode de, allez. On n'en est pas à ce point, quoi. On commence à y aller, ouais. Il y a des mecs en bas qui arrivent en Est. Un petit qui essaie d'aller vers le camion, peut-être pour S. Non, il a vu des adversaires, je sais pas trop. Après, évidemment, il peut se mettre dans les fougères. Hein. Il y a 26 joueurs encore en vie autour, donc à tout moment il se fait spam dès qu'il est en train de raise. Et surtout le camion il est encore il peut pas être usable encore. Oh! Non, ça c'était juste le camion, j'ai eu peur. Regardez, le camion il est pas encore utilisable. Thompson et Barrett, non? Et ouais, un peu de maths. Juste Thompson Mini en vrai. Il devrait pas lâcher son stuff aussi vite hein, parce que. Au moment où il va commencer à raise, il y a possibilité qu'il se fasse spam un peu par tout le monde. Voilà, le reste qui est disponible maintenant. Ok, fais une box instant. Ah, il va falloir vite construire à fond. On reviendra en bord des zones, c'est pas grave. J'ai pas trop de matin. Il y a même des constructions adversaires juste là. Allez, du coup, Marquette là qui a réussi à être res, on lui donne un petit peu sub. Du coup, cette game qui se relance un peu pour les deux joueurs. On peut pas aller chercher. Merci Thomas Basket. Ah, pourtant il sub de 4 mois, merci à vous les rôles pour le divertissement quotidien, bah, merci à toi de nous suivre tous les jours mon pote. Ah, sneaky. Attention, Marquette là qui a pris un petit laser, il a reperdu de son shield. Attends. Attention, c'est contact, on essaie peut-être de spam un peu, la bonne balle de pompe, c'est bien ça, Dutchy, c'est blanc. Il a un point de vie à peine, on tente de spam à travers, ça ne touche pas pour l'instant. Ah, c'est dommage parce que ce kill aurait pu nous mettre vraiment bien, surtout pour Marquette, et récupérer du stuff. Moi à fond. Mais c'est Dritek là, non, on n'a pas réussi encore une fois. Peut-être que si on y va des côtés. Oh, il y a un pas de kill. Oh, la bonne balle, c'est bien ça, c'est très long. Un knock. Bien joué ça. Et le KO, du coup, alors qu'il y en a un des deux qui a réussi à s'enfuir. Mais du coup, ce kill là qui va les mettre bien. À pouvoir revoir un bon stuff là pour Marquette. Et là, clairement, la game qui est complètement relancée. Et en plus, ils ont un pad. Donc s'ils ont pas la zone, ils sont vraiment bien, chez Marquette, c'est tout ce qu'on veut. J'ai 100. Viens. On va mettre ça. Je pourrais aller une team si tu veux avec ma Thompson. On va voir, on va garder le pad là. Là s'il y a des mecs tout en haut, ça me fait. Allez, 22 joueurs encore en vie, on a 14 kills pour l'instant les amis. On le rappelle, dès qu'on rentre dans le top 10, on commence à gagner beaucoup de points de top. 26. Ils sont trop nuls là-bas, vraiment, il faut les focus. Hein. Ah non, clairement, le chat, vous avez bien raison. Un petit qui commence à avoir vraiment un sacré niveau là.
On a dit depuis qu'il avait tout en mode j'ai envie de tryhard le jeu, bah il tryhard pour le coup, il s'entraîne beaucoup et ça se ressent. Il est en forme et ça fait plaisir. Allez, on décide d'user le pad peut-être pour aller récupérer la hauteur. Ah, c'est un petit peu foiré là, je trouve, surtout qu'ils avaient la zone déjà. Du coup, on récupère une espèce de mid hauteur, mais c'est pas foufou. Peut-être la balle. Ouh, attention, il y avait un rocket aussi. Bon, ils ont réussi à se protéger, heureusement. J'ai un barrette. Y'a personne dessus en fait. T'as 38 points encore pour l'instant. 260 en veux. Et 22 joueurs encore en vie. Donc évidemment, c'est un petit late game. Hein. Faudrait qu'on arrive à tuer d'autres mecs, les loot. Mais du coup, ça peut leur faire encore beaucoup de points. Essaye de tout casser en face. On tente de mettre la balle de barrette, ça ne touchera pas malheureusement. Les gars, derrière nous, il nous focus. On est accolé à la grange. Ils cassent tout, ouais, on tombe, prend pas de dégâts, tu truc. On a pas trop mal de balles en soi avec les armes qu'on a, donc on peut faire le travail. Prends deux chunes, ça touche encore, c'est bien. Casse les couilles. Voilà. Peut-être là-dessus en sortant de zone là, justement. Oh! Ah bah tout le monde qui tombe, mais c'est bon, on a réussi à se rattraper, on n'a pas perdu de vie. C'est le principal. Eux ils ont déjà la zone, non, même pas. Le type peut-être qu'il a tenté quelque chose, malheureusement il se fait aggro un petit peu par derrière. Il essaie de reprendre la pression sur les adversaires, il a broke le shield 1. On continue de spam. Ça pad. Il y a 5 qui vont pas tarder à avoir la zone. Peut-être là-dessus. Ça touche un petit peu, c'est pas mal. Allez pour un petit. C'est blanc, oui, le KO encore une fois récupéré par un petit boy. Il continue à mettre des dégâts un peu sur tout le monde. Cette AK la légendaire qui fait le travail là. Sur le chapeau, je peux casser le chapeau, tu peux le laser. Attends, je vois encore en vie. Juste le KO évidemment qui vient de faire. Il y a des kills qui dorment, des points. Non. En face là, il me casse les couilles. Il y a eu là. Peut-être là-dessus. 126, oh, ça bougeait pas évidemment. Oh, j'y vais. Le laser énorme d'Hunter. Et du coup, on va directement aller push ça. Même si on n'a pas la zone, on va aller récupérer les kills et potentiellement le stuff. Il a pas de là là, cette belle balle de barrette. Il tout double tape de Daka. Ah, ça touche. C'est ce qu'on veut. On a récupéré pas mal de constructions là pour un T-Boy. 18 joueurs, encore envie dans cette game, on décide de pad maintenant pour aller se positionner parce qu'on était très très loin de la zone, on l'avait vu. On va sûrement essayer de jouer peut-être la hauteur, il est tout seul. Nickel. Qu'est-ce qu'il a pas vu? 41, wesh. Et la balle de pompe qui touche. Et du coup, un petit Marcotte qui ont la hauteur max, les amis. En général, quand ils ont la hauteur max, on sait ce que ça veut dire. On va essayer de vite se raccrocher. Knock. Oh, pfff, what? Avec une balle de pompe, il a KO. Nani. L'adversaire qui devait vraiment plus avoir de vie, du coup ça va être encore un kill de validé pour un tir Marcotte peut-être. Là, ceux qui sont en train de voler, ça monte le shield, encore une balle. Danon en zone, ça. Oh, il m'a laser en zone, Perdu un petit peu de shield. On n'aura pas réussi à récupérer l'autre kill, le kill qui est validé du coup pour un tir. Connecte-toi. Il n'a pas eu le temps de mettre les minis, du coup il a pas pu se heal. On continue d'avancer là, on commence à marquer beaucoup de points top évidemment. Encore 12 joueurs en vie, on est à 50 points les amis. On peut dire que chaque kill c'est 2 voire 4 points à chaque fois. 41. Ça touche un petit peu, ça break le shield. J'arrive pas à le toucher. Il est très long. On va peut-être casser le silo là, on a pas réussi. Encore des joueurs en plein vol. On a un petit peu de la zone, on arrive à break le shield. Mais et là, un Kemmer, tu l'as vu ? 8 joueurs encore en vie. C'est potentiellement un des seuls duos vivants. Non, on en a vu un à droite justement. Qui est encore par Marcotte, les amis. T'en veux, j'en ai 500. Tiens, prends sur moi. J'ai mon Uber qui est en train d'arriver. Ici là-dedans là. 41 shield. Crac. J'arrive. J'avance, j'ai full max. Tranquille. J'ai 200, c'est la fin de la game. T'as des roquettes ou pas? 8 joueurs encore en vie, les amis. Et on contrôle encore la hauteur pour un tir Marcotte. On essaie de trouver où sont positionnés les adversaires. Mais ça devrait bien se passer, je pense, pour le duo là, peut-être. Crac. Ça manque le shield d'un deuxième joueur. 7 joueurs encore en vie dans cette game. Un tir qui descend un petit peu. Hors zone. Il y a des fiches. Non, il y a potentiellement des joueurs là qui jouent au poisson, bien sûr. Il faut surtout assurer le top 1, c'est très très important. Un kill de plus récupéré par Marcotte, les amis. Et encore un, il reste plus que deux adversaires contre eux. J'ai 0. Il y a pas mal de constructions quand même, ils sont pas faciles à trouver. 25 crack mort. GG. Encore un kill pour Marcotte, et c'est le dernier joueur du coup. On dit de lui rentrer dans ta attention de passer à one évidemment. On a pas mal de vie, normalement ça devrait se passer. On l'avance, tu sais quoi. On a vu évidemment que les coups de space ça peut aller très vite. Grâce à Mixer, on sait qu'on n'est jamais confiant sur les dégâts du pompe. Ouais. Le premier kill qui a été assuré, on est à 78 points.
Non, il est en bas, il est en bas. Et là, du coup, c'est un kill à 9 points, les amis. Crack shield, hop, ça manque le shield pour un T-Boy. Et voilà, la première game de la 87 points dans la première game, les amis. Ça fait beaucoup, beaucoup de points, on le rappelle. Tous les kills ont été divisés par deux. Ça fait énormément de points pour.